Yo mes fouteux, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Wattactu. J'avais déjà fait ce concept il y a un an et ça m'a manqué, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon visionnage. Antoine Griezmann va célébrer sa 100e sélection en équipe de France ce dimanche soir 20h45 face à Coque, son coéquipier de l'Atlético de Madrid et l'un de ses plus proches amis dans le foot. Orphelins de leur star, Romelu Lukaku et Eden Hazard, Diablo Rouge s'incline contre l'équipe de l'Italie et échoue au podium de cette Ligue des Nations. Est-ce que la Belgique peut remporter une coupe? Dites-le moi dans les commentaires. Mauvaise nouvelle pour les merengués, Eduardo Camavinga a été contraint de quitter l'équipe de France des U21 et rentre à Madrid en raison d'une grave contusion au pied gauche. Le contrat de Boubacar Camara arrive à son terme en juin 2022. Le Milan est très intéressé par le joueur français. Neymar a annoncé que ce sera sa dernière Coupe du Monde avec le Brésil pour mieux se concentrer au PSG. Cara, eu acho que é minha última Copa do Mundo.